pète là, c'est nous, on veut entendre ça. Comment tu fais, tu donnes sorcellerie et prostitution là. C'est ce qu'on veut entendre. Ma tête est recouchée. Elle est recouchée. Donc j'ai prononcé son nom trois fois. Donc j'ai pris son âme pour partir dans le royaume de la sorcellerie. Dans le royaume. Dans le royaume de la sorcellerie. Donc j'ai pris son âme pour partir dans le royaume de la sorcellerie. Donc moi je lui ai dit, à qui t'as dit, toi tu vas sortir de garçon, garçon, tu vas se reculer. Donc il a lâché son visage. C'est pour les laisser passer. Comment tu as fait? Je me suis abaissé. Comment? Je me suis abaissé. Que tu as fait tout. Donc tu as tout gâté. Les sorciers sont dangereux. D'autres c'est dans la nuit, se met les gens. D'autres, ça est pète. On est foutu. Ils ont lâché sur ton visage. Mais tu es gâté, la vie. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue prostituée. C'est des casse-gasses. Vous voyez comment la sorcellerie peut chambouler, c'est-à-dire gâter votre vie. Elle fraction de ses gars. Il y a des choses que vous n'arrivez pas peut-être à comprendre, mais ça vient de la sorcellerie. Voilà. Une fille comme ça, elle se marie, demain n'est pas délivrée. Mais tu es mort. Mm-hmm. Toi, le garçon, tu dors. Ah, ma chérie. Ah. Elle te voit aboutir. Pendant le temps, tu dois, chérie, voit aboutir, hein, fumer, qu'elle doit mettre dans son grain, moyen banane mûre. Quand tu finis, tu as migraine. Amen. Tu veux être délivré. Oui, papa. Ah, toi, tu es dangereuse. Elle peut te donner prostitution. La sorcellerie, c'est terrible. Hein? Tu as tué des gens. Qu'est-ce que tu ressens? Papa, je regrette d'avoir fait. Voici un peu notre spécialité. Ah, le prophète, il fait parler les gens publiquement. Bon, publiquement, est-ce qu'il est délivré ou pas? C'est ça, mais pourquoi vous voyez l'aspect, il fait parler les gens. Il faut qu'elle dise ce qu'elle a fait. Avant de la délivrer. Non, pourquoi c'est à huis clos? Attendez. Est-ce que les gens ne sont pas délivrés? Ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Ce n'est pas des mises en scène. Je ne la connais pas. Vous défendez les sorciers. Quelqu'un qui dit la tuer et puis, et vous avez... C'est pour elle, là, vous voyez, vous incitez le prophète. Avant, les blancs, quand tu finis de parler, dit, t'as tué. Il y a le bûcher. Hein? On t'attache, on te brûle. Le feu du pied jusqu'à la tête. Allez voir sur l'internet, cherchez sur Google l'inquisition. Vous allez voir le tribunal, comment les gens tuaient les sorciers. On les brûlait au bûcher. Mais ici, nous les délivrons. C'est un endroit sûr où les sorciers, même là, quand ils finissent de parler, ils savent qu'ils seront délivrés. Au lieu de nous encourager à éradiquer le phénomène, vous les protégez parce que vous êtes avec eux. Ah, nous ne laisserons pas le combat. Elle l'a tué. Même une personne, c'est grave. La vie humaine est trop précieuse pour qu'une sorcière, un instrument de Satan, vienne éliminer une personne parce qu'elle a envie de tuer, elle a envie de manger. Vous voulez que nous laissions les gens mourir? Ah! La sorcellerie, celui qui dit la sorcellerie n'existe pas, lui, il est agent de Satan. C'est un diable. Tout ce qui est nommé existe. On ne peut pas donner le nom de quelque chose qui n'existe pas. Même les blancs étaient les premiers à combattre, les blancs les plus incrédules, ils ont dit qu'on détruit la sorcellerie.
Lâche-la. Ce qui délivre un sorcier, c'est la puissance du nom de Jésus. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous plaisantez, hein, le prophète même, il n'utilise pas le nom de Jésus. Toi, tu es diable. Voilà. C'est lui qui m'attaque pour ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, non, il n'a jamais utilisé le nom de Jésus. Mais c'est que toi, tu es diable. Je le sais parce que je connais le nom de Jésus. C'est en son nom que je chasse les démons. Sinon, longtemps, les sorciers m'ont mis à terre. C'est le nom de Jésus. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est en quel nom? C'est le nom de ton papa, il utilise pour chasser des démons. Babader, les gens sont en train d'enterrer des familles, ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de rendre des personnes fortes, ils sont en train de détruire la vie des gens, et vous voulez qu'on les regarde, qu'on ait les bras croisés, qu'ils évoluent dans la destruction. Non, non, là, ça ne se fera pas comme ça. Je vous dis la vérité. Voilà. Montrez-nous les œuvres du diable. Sinon, vous êtes trompé de combat. Le prophète Crasso, il n'est pas du diable. Vous êtes trompé de combat. Je suis désolé. C'est parce que vous êtes serviteur de Satan qui vous m'attaquez. Ah oui? Parce que ce qui est fait vous dérange. Je suis en train d'amener les gens à comprendre que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. C'est très bien, les gars. C'est très bien. Ceux qui ont le discernement, ils savent déjà. Comment une fille qui pète sur le visage des gens, elle devient prostituée, vous voulez qu'on laisse ça comme ça. Au nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la. Libère-la par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Que le démon te libère. Que l'esprit de la sorcellerie te libère. Que l'esprit de la sorcellerie te libère dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la sorcellerie te libère dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la sorcellerie te libère. Maintenant. 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 Pas. 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 Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui peut déloger les démons des corps. Il n'y a que le nom de Jésus, c'est précisément, pour déloger, chasser les démons des corps. Quand ce nom est prononcé, le royaume des ténèbres s'incline. Parce que ce nom est précieux et puissant. Lâche-la. C'est fini. Est-ce qu'on va clamer Jésus? Est-ce qu'on va clamer Jésus?